إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa faveur et sa permission, il peut permettre nous pour continuer avec et nos programmes avec Zot pendant sa période de confinement là. Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais le complice, jusqu'à quand il peut durer. Mais nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait de sa petite chose là, une petite chose qui nous sortit avec bénéfice, une petite chose qui les profite nous la famille. Et alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qu'il peut faire au nom, par permettre nous et servi sa l'occasion de confinement là pour nous rapprocher nous avec Allah à travers une session de connaissances, de partage de connaissances et je veux dire profiter avec la connaissance. Et nous rappelle nos bonnes frères et nos bonnes sœurs qui, afin qu'il soit un moment qui nous peut traverser ensemble dans ce bon programme là, dans tout ce bon programme qui tout bon frère peut faire là, nous rappelle nous-mêmes en premier. Alors, il ne faudrait pas nous oublier, bon frère et bonne sœur, afin qu'il nous trouve le fruit de sa bonne effort là, de sa bonne et bon action là. Alors, il ne faudrait pas nous oublier qu'il faudrait nous viser uniquement le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière tout cela. Alors, il ne faudrait pas nous laisser vivre un moment qui nous laisse nous distraire et ou bien nous laisse nous l'intention, mais dire dévier. Alors nous réserve, nous faire ça juste pour le plaisir d'Allah. Et en même temps, pour nous améliorer nos connaissances de dîn, pour nous sens nous la vie, pour nous sens nous la vie, pour nous améliorer nos ibadat, pour nous faire nous-mêmes vivre un meilleur musulman qui pratique nous dîn avec connaissance, qui pratique nous dîn dans sûr. Alors, chers frères et chers sœurs, et moi, je vous fais une requête avec bonne frère, avec bonne sœur, qui peut suivre bonne leçon, le live et le Facebook. Alors, nous, je vous demande, je n'ai aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît très bien, qui, c'est bonne session de connaissance, qui nous, alhamdulillah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, le fin guide nous l'eau là, nous peut partager avec nos bons frères, nous peut partager avec nos bonnes sœurs. Alors il est possible, certains bons frères, qui ont le même longueur d'onde avec nous, alhamdulillah, je ne peux pas trouver difficulté pour accepter ce bon message là. Mais comment est possible, nous connaît. Il y a certains bons frères ou bien certaines bonnes sœurs qui sont victimes, l'ignorance, cette victime veut dire, je suis mal apprendre, je suis mal
kun tan kit chose là de fin veut dire d'une certaine façon je suis une victime veut dire et d'une mauvaise interprétation. Alors nous demandons nos bons frères et nos bonnes sœurs surtout pas faire un commentaire offensant, pas faire un commentaire offensant à l'égard de nos bons frères. Les meilleurs nous demandent droit pour un frère qui comment dire nous dit une cause qui n'a aucune utilité. Nous peut dire un dimon veut dire toi gaspillage toi. Toi, tu ne vas pas comprendre, mais qui ça profite lui? Il pas profite ni moi, il pas profite ni lui. Il pas profite ni moi, il pas profite ni sa dit là. Est-ce qu'il n'est pas meilleur qui d'en place nous dire man causer inutile ou bien offensant? Alors, est-ce qu'il n'est pas meilleur nous dire, mon frère doit qu'elle la guide toi? Mon frère doit qu'elle la fait ta la vérité? Ça, c'est pour beaucoup plus meilleur. Et quand un musulman lui peut faire droit pour son frère, quand un musulman fait doa pour son frère, connaît qu'il y a un ange qui peut dire Amin. Il y a un ange qui peut faire sa doa qu'il peut faire pour son frère là. Il y a un ange qui peut faire sa doa là pour lui. Alors ça, premier qui se dit, content de mon frère, pas faire une remarque inutile, pas faire un commentaire inutile, pas faire un commentaire nonsense. Faire doa pour nos frères plutôt. Si vous sentez qu'il finit être guidé, Alhamdoulilah, demande ça pour vos frères. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Li n'appelle ce iman pas complète. Celui qui n'est pas content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Si tu es content à la guidance pour toi, ne soyez pas avare. Hein? Ne soyez pas égoïste. Demande à Allah pour guider ton frère. Est-ce que ce n'est pas ça même qui te t'attend pour trouver? Ou bien on dirait que tu es content de me trouver dans les gommes? Non. Alors, il ne faudrait pas me dire. Et quand nous finit être guidés, ou bien quand nous sentons nous pouvons jouir, une faveur quelconque de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, content-li pour nos prochains, content-li pour nos frères, content-li pour nos sœurs. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, donne-li aussi pareil. Alors ça, premier petite chose, déjà, je vous dis à mon frère et mon sœur qui peut suivre une leçon, alors, et faudrait pas nous, et nous dire à eux que ce programme-là ne pas répondre aux questions dans le bon programme qu'il nous fait, ne pas répondre à la bonne question. Donc, n'est pas lieu propice pour se poser question. N'est pas lieu propice pour se poser question. Alors, je pose question, adresse-les à ban da'i, à ban frère qui peut faire les sons. Là, nos numéros personnels peuvent un problème. L'opage veut dire, et Al-Huda, et Inch'Allah, il y a un comité qui fait mettre debout. Alors, ce comité-là, pour prendre en considération, je pose question, et Inch'Allah, pour travailler Lola, comme je dis, travaille Lola, pour contacter Ban Mashaïr, pour demander, veut dire, éclaircissement, et ensuite pour donner une bonne réponse à la lumière du Coran et Sunna. Mais surtout, alors nous dire Ban frère et Ban soeur qui peuvent suivre les sons, évite répondre Ban Dimoun une question, brique à braque. Hein? Pas nécessairement qu'il y ait un Dimoun qui pose une question, alors, ou bizarre répondre-lui par une réponse, alors, et surtout, nous dire pas répondre, même si un Dimoun il pose une question embarrassante. Nous disons à nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, pas répondre par bonnes paroles, veut dire, pas répondre le mal par le mal. Au contraire, nous disons, faire doa. Au contraire, nous disons, faire doa. Pour celui qui pense qu'on trouve la guidance, qu'elle la guide, ça te pour ça te pour pour nous tous. Alors, chers frères et chers sœurs, et il est important de nous comprendre que, hier, nous tirons une seule petite chose, un seul aspect pour nous terminer, nous ne pas tirer si terminer. Alors, nous pouvons trouver bon pour nous terminer. Parce qu'il y a une petite chose qui est importante et nous faisons trouver qui, jusqu'à l'air, veut dire, concernant la nuit, 15e nuit de Sha'ban, jusqu'à l'air, veut dire, un parmi ban, mauvaise interprétation, un parmi ban, mauvaise conception, qui est ban djimoun ena, concernant ça la nuit-là, alors c'est croire qui dans sa la nuit là, croire qui dans sa la nuit là, sa la nuit là, c'est la nuit et du décret. Alors, à cause ça même qui au bout trouve beaucoup de monde, il est encouragé pour lui venir masjid sa nuit là, pour lui venir mettre sa présence dans masjid sa nuit là, parce qu'il fait lui comprendre, il dit à lui, qui 15e nuit de Sha'ban, c'est la nuit du décret. En se servant d'un verset du Coran qui trouve dans Sourah 44, ayat 3 et 4, comment hier, beaucoup, il y en a beaucoup,
ban jimon ban imam fin cause lola et fin invite ban jimon et spécialement à cause à la nuit là, c'est la nuit du décret. Alors je n'invite ban jimon pour faire ban ibadat, pour faire ban doa, etc. Surah 44 ayat 3 et 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Signification rapprochée de sa verset là, chers frères et sœurs, certainement nous fin descend lit et bien la divergence qui anzalnahu nous fin descend lit ici peut référer à al-Qur'an al-Karim dans une nuit fi laylatin mubaraka, dans une nuit bénie. Nous faisons descendre le Coran dans une nuit bénie. Nous tibana avertisseur, il n'a qu'un amunviri. Faire référence, veut dire nous tibana avertisseur, fiha là-dedans, dans sa nuit là, dans sa nuit qui nous fait descendre le Coran là, pendant sa nuit là, yufraqu kullu amrin hakim, chaque ordre sage être décidé. Alors, fin série saïd Coran là pour dire que saïd Coran là peut faire référence à la nuit 15e Sha'ban. Et comme preuve encore, fin série hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha qui trouve dans Musnad Abi Ya'la. Et dans ce hadith là, Aïcha radiallahu anha fin dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut garder rosa entier Sha'ban, Mofin Djali, au messager d'Allah, moi pendant lequel le plus content garde rosa c'est Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, dans sa mois là, Allah écrit chaque nafs qui pour moi salani là, alors, mon content qui m'a l'amour vin vers moi pendant qu'il m'a rosa. Alors, fin service à hadith là, pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, dans sa moi-là, Allah écrit à chaque nafs qui pour moi salanira. Alors, il s'est mis à hadith là pour dire que 15e Sha'ban, c'est la nuit du décret. Ce hadith là, mon frère et ma soeur, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, les phénomènes, ce hadith là, dans ce livre, Silsila à la hadith al-da'ifa, hadith numéro 5086, pour prouver que ce hadith là, pour dire que ce hadith là c'est un hadith faible. Ce hadith là c'est un hadith da'if. Et réfère aussi à da'if al-targhib. Dans un autre hadith faible encore, il mentionne que 15e nuit de Sha'ban, Allah révèle à Malakul Maut, l'ange de la mort, pour prendre ruh de chaque personne qui lit ou l'est, prend sa lani là. Dire Allah révèle à Malakul Maut la liste de ban qui est n'a pour mot dans sa l'année qui peut venir là. Alors, à cause de ça, basant le hadith là, il appelle ça la nuit du décret. Et ce hadith là aussi, pareil, chers frères et chers sœurs, Cheikh Al-Albani, il mentionne ce hadith là dans Da'if al-Jami', hadith numéro 8450, pour prouver que c'est un hadith. C'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith da'if. Et l'imanche n'est aussi qui ikrima fin dire de tafsir de sa ayat là. Le fin dire 15e nuit de Sha'ban, tout va nous affaire de l'année être conclu. Écrire qui s'en a pour être vivant, qui s'en a pour mort, écrire qui s'en a pour aller faire hajj. Personne parmi ban là pas augmenté et non plus diminuer, ça les trouve dans le tafsir al-Tabari. Chers frères et chers sœurs, alors, il est important de nous faire ressortir que sa interprétation-là n'est pas correcte. Et sa conception-là n'est pas en accordance avec ni le Coran et ni la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et chers sœurs, alors comme réfutation à mais dire ça, mal interprétation là, et de sa ayat Coran là, et aussi sa mauvaise conception là. Écoute, le grand savant,
Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah, qui lui dit dans ce tafsir, lui dit, Allah peut dire concernant Al-Qur'an qu'il fait une fête descendre pendant une nuit bénie. Dans surah 44, ayat numéro 3 et 4, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire référence à le dire Qur'an qui lui fait une fête descendre dans une nuit bénie. Il dit ça, la nuit-là, c'est Laylatul Qadr. C'est la nuit qu'Allah peut faire référence dans Surah 44 là. Ça, la nuit-là, c'est la nuit Laylatul Qadr. Qui fait? Parce qu'il y a une seule nuit qui Qur'an fin de sang. Peine de la nuit qui Qur'an fin de sang. Nous tous connaissons qui la nuit qui Qur'an fin de sang là-dedans, c'est la nuit Laylatul Qadr. Nous tous connaissons qui le Qur'an fin de sang veut dire et dans la nuit Laylatul Qadr, comment les mentionnés dans le Coran, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certainement, nous finissons faire les dessins dans la nuit de Qadr. Et Imam Ibn Kathir, rahimahullah, lui dit, celui qui fin dire que c'est 15e nuit de Sha'ban, comment ça les rapporter depuis Ikrima? Imam Ibn Kathir, rahimahullah, lui réfute la parole de Ikrima. Lui peut dire, celui qui dit que ça la nuit la périphère à 15e Sha'ban, comme Ikrima fin dire, les fin certainement rate ce cible. Veut dire, les fin certainement mal dire, les fin certainement mal interpréter. Ibn al-Arabi, lui dire, majorité ban ulama, j'ai l'opinion que ça, la nuit bénie qui peut faire référence dans sa ayat surah 44 là, c'est Laylatul Qadr. Et n'a fin dire que c'est 15e nuit de Sha'ban, mais les fausses. Ça, c'est parole de Ibn al-Arabi. Ça, c'est, veut dire, celui qui dit, qui, celui qui servit sa ayat Qur'an là, pour dire que 15e nuit de Sha'ban, c'est la nuit du décret, alors, c'est une fausseté qu'il peut propager. Sa parole de et Ibn al-Arabi les trouve dans Ahkamul Qur'an. الفخر الرازي لجيا الفخر الرازي لجيا كانت بان كي جيا كي سا نويت بني لا سي 15ème نويت شعبان كانت بان كي جيا كي لا نويت كي بي فير ريفيرونس دون سوره 44 سي لا نويت 15ème نويت شعبان يا مو با فين تروف كي بان لا اينا ان بريف كي كابا باز لولا زت بينا اوكين بريف بو زت جيا كي سا ايات لا Périphère à, veut dire la nuit 15e Sha'ban. Au contraire, ça la nuit-là, périphère à, veut dire la nuit, à la nuit et Laylatul, Laylatul Qadr. Chers frères et chers sœurs, alors, avec ça, il est important qu'il nous donne un conseil à nos bons frères, à nos bonnes sœurs. Et une petite chose, qui est important qu'il nous tout, indistinctement. Peu importe qui catégorie du monde où était, peu importe qui niveau l'éducation on finit atteindre, mais il y a une petite chose qui nous tous est supplier Allah pour donne-nous. Il y a une petite chose qui nous tous, nous avons besoin de ça, nous besoin supplier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui donne-nous ça. Qui était ça, petite chose-là? C'est la compréhension dans din. La compréhension de din, chers frères et chers sœurs, c'est un faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an, c'est pas un livre de n'importe qui s'en a. Qur'an, c'est pas un livre, c'est pas n'importe qui livre, chers frères et chers sœurs. Qur'an, c'est la parole d'Allah. Qur'an, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qur'an, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous disons, prends beaucoup de précautions. Et Coran, c'est un livre qui nous disons comprend. Coran, c'est pas un livre qui nous prend à la légère. Coran, c'est un livre qui nous disons prend au sérieux. Parce que c'est un livre, c'est la parole d'Allah. Et c'est un livre qui nous disons paix. La moindre fausse qu'il nous fait concernant ce livre-là.
Donc lis-les, donc comprends-les, donc traduis-les, donc propose-les. Et dans le sens, nous allons retrouver nous dans une situation difficile. Et dans le sens, nous allons retrouver nous dans le coffre. Ça, c'est qui nous vise un pays, nous tous, chacun parmi nous. Chers frères et chers sœurs, rapporté par Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, les dit dans un long hadith, nous limitons avec cette traduction. Les dit, mon fin, au messager d'Allah, dans combien de jours nous sommes capables de terminer la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire lis-le dans chaque mois. Lis-le, termine-le dans chaque mois. Chaque mois, tu termines un Coran. Moi, finit dire, ça sahabi l'a dit, moi, finit dire, moi, j'ai la capacité de lire plus que ça, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire lis-le dans 25 jours. Termine-le dans 25 jours. Il finit dire, ya Rasulallah, moi, j'ai la capacité de faire plus que ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire lis-le dans 20 jours. Il dit, moi, fin dire, ya Rasulallah, moi, j'ai la capacité de faire plus que ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire, lis-le dans 15 jours. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, moi, j'ai la capacité de faire plus que ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire, lis-le dans 10 jours. Termine-le dans 10 jours. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ya Rasulallah, moi, j'ai la capacité de faire plus que ça. Subhanallah. En même temps, get saban jimoun la jute leke, kouma t'attaché avec le Coran. Get saban jimoun la jute l'intérêt pour le Coran. Ya Rasulallah, moi, j'ai la capacité de faire plus que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lui dans 7 jours. Il dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, moi, j'ai la capacité de faire plus que ça. Je suis capable d'y aller dans moins de 7 jours, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit d'y aller, écoute sa parole là. Écoute sa parole là, chers frères et chers sœurs, et médite-le sa parole là. Comprends qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire. Un djimoun qui peut dire à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une capacité pour lui terminer le Coran dans moins de 7 jours. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit dans moins de 3 jours, celui qui lit sa Coran là, qui complètement dans moins de 3 jours, il n'est pas pour comprendre lui. Sa livre là, ce n'est pas une question de zisfer tilawat ça. Sa livre là, ce n'est pas une question de zisfer katam ça. Sa livre là, si Allah pas fini descendre sa livre là, juste pour qu'on nous lit et nous mette un calculateur à côté, après nous taper, nous compter combien de thawab nous fait, nous gagnons aujourd'hui. Un livre qu'Allah fait descendre comme une guidance pour guider le monde. Alors, pour guider le monde, sa livre-là, il demande compréhension. Comprends sa livre-là. Lire sa livre-là avec compréhension. Nous tous, nous devons supplier Allah qu'Allah accorde nous la compréhension du Coran. La guidance du Coran trouve dans comprendre le Coran. Chers frères et chers sœurs, et rien que beaucoup musulmans ils font aujourd'hui. Nous voulons mettre l'emphasis là, nous lecture, nous lions une jolie lecture. Nous lions une jolie lecture qui est admirée par du monde. Nous faisons une jolie lecture, ou bien nous faisons être admirés nous-mêmes par nos propres lectures, ou bien par quantité de surah qui nous mémorisons. Aujourd'hui, qui quantité peine n'a aucun doute, c'est une quelque chose noble pour un démon mémorise le Coran en entier. C'est une grande quelque chose, c'est une quelque chose vraiment noble et a beaucoup de récompense. Fortement recommandé, mémorisation du Coran, mais une mémorisation du Coran pour un démon qui n'a pas compris ce qu'il peut dire. Amène-le pour dérespect Coran. Amène-le pour manque du respect Coran. Un démon qui n'a pas compris le Coran. Get quand il lit le Coran, même il déchire le Coran. Qui quantité comme ça nous trouver? Quand je pas comprends, je pas ne comprends ce Coran là. Au lieu que je peux guider Dimon avec ce Coran là, je peux égorger je même et je peux égorger les autres Dimon. Demande Allah accorde-nous la compréhension du Coran. Demande Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les mette dans nous les cœurs la compréhension du Coran. Qu'Allah fait nous comprendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Ad-Darimi, la yafqahu man qara' al-Qur'an fi aqall min thalath. Il n'a pas pour comprendre celui qui lit le Coran dans moins de 3 jours. Chers frères et chers sœurs, alors la compréhension, c'est une question de comprendre. Sa dîne là, c'est un dîne qui demande compréhension. Sa dîne là, c'est un dîne qui exige la compréhension. Chers frères et chers sœurs, c'est la même question concernant
hadith concernant sunna, si nous en vie, et peine à aucun doute, qui s'adine là, liéna sa déquite chose là comme source principale, le Coran et la sunna. Mais, c'est pas une question de qui quantité m'en connaît. C'est pas une question de qui quantité m'en connaît. Il y a des rires si vous pouvez croire qui, ou base la quantité qui vous connaît. Non. Vous capable de connaître beaucoup, mais plus important, c'est qui quantité on comprend dans ce qui vous connaît. Qui quantité au fin comprend connaissance qu'Allah fin de l'eau, est-ce qu'il y en a la compréhension? S'il existe connaissance, chers frères et chers sœurs, il est capable de faire dito. Il est capable de faire plus dito qui du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, faites l'exemple, faites ça, joli l'exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner dans ce hadith là, pour montrer nous qu'il a, qu'il dit une certaine question de compréhension. Alors, ça est rire qu'il nous finit tout le temps faire pendant combien de bonnes années. Lire le Coran sans comprendre. Faire salat sans comprendre qu'il nous peut dire dans salat. Faire dua sans comprendre qu'il nous peut dire dans le dua. Lire hadith sans comprendre qu'il nous peut lire dans hadith. Nous finissons croire qu'il saisisse une question de qui quantité m'obéit lire, ça qui est important. Qui quantité m'obéit lire. J'ai dit mon lire sans hadith. J'ai dit mon mémorise sans hadith. J'ai dit mon mémorise un juz en entier. Chers frères et chers sœurs, peine à aucun doute. Pas mal comprend. Il est bon comme une bonne action. Préoccupe-toi dans mémorise hadith. Dans place toi le mémorise anachid. Dans place toi le mémorise kassida. Dans place toi le mémorise poème. Préoccupe-toi surtout quand tu connais qui te connaissance Coran faible. Quand tu n'as pas encore fini de mémoriser le Coran, tu n'as pas gagné droit à l'état pour le mémoriser, Anachid. Pour le mémoriser, poème qui dit mon inécrire. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est priorité pour te mettre dans ton écrire. Mais seulement, il n'a pas arrêté avec la quantité. Il n'a pas arrêté avec la quantité. À cause de ça même, chers frères et chers sœurs, qui nous gagne à Zodin à sa quantité, veut dire, divergence. Sa quantité de divergence est beaucoup parmi les divergences, Azodi dans nous dit, qui peut être enlevé si tu es dans la compréhension voulue. Si tu es dans la compréhension voulue, c'est beaucoup parmi, mais dire, nous bonnes personnes religieuses, nous bonnes frères et sœurs qui peuvent pratiquer l'islam, Azodi beaucoup de problèmes dans nous dit, c'est pas manque de compréhension devant nos sources. De ban texte du Coran, de la Sunna, nous dit même, ce ban principe de base, ne pas faire gagner la compréhension voulue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'exemple de la guidance et la connaissance avec lesquels Allah fin envoie moi, l'ikuma l'exemple de la pluie qui fin tombe l'eau en la terre. En partie sa la terre là, l'iti bon la terre. Suive-les bien, écoute-les bien. Hadith la lilong, nous pas pour explique-li, nous pour juste li. Parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est révélation, li suffit pour tous nous l'équerre. Li suffit pour amener la lumière dans nous l'équerre. L'exemple de la guidance et la connaissance. Avec lesquels Allah fin envoie iman, li kouma l'exemple d'en la pluie, qui fin tom l'eau en la terre. En partie sa la terre la ti bon la terre. La terre fait-il. Et alors, les fin accepter ça de là et les fin faire l'herbe et beaucoup plantes pousser. Et dire toute bonne créature fin profiter avec ça la terre fertile là quand dès le tombe l'eau là. Un autre partie ça la terre là, les tiennent la terre aride et alors les fin retenir ça de là. Les fin accumuler de là et par ça Allah fin profite ban dimon. Ban la fin boire de ça, ban les autres créatures, ban dimon, il profite avec la terre garde de l'eau là. Il profite ban les autres, zot fin donne zot animaux pour boire, et zot fin planter, papé Michel Allah grâce à sa de l'eau là. Un peu ça la pli la fin tombe, l'on l'autre partie la terre, qui en la terre lisse, troisième catégorie la terre, en la terre lisse, ni les fils retenir qui de l'eau,
Et mille fins faire quitte l'herbe poussée. Première catégorie la terre. Les fins prendre de l'eau là, les bénéficier avec de l'eau là. Les fins produire. Et les fins bénéficier les autres. Deuxième catégorie la terre. Les fins seulement prendre de l'eau là. Les bénéficier les autres, les pas bénéficier. Troisième catégorie la terre. Ni les ramasse de l'eau là. Et ni l'in profite les autres, ni aucune plante il poussait, ni l'in produire, ni l'in profite les autres. C'est comme ça même. Hadith là, continuez. C'est comme ça même. L'exemple de celui qui fin étudier din Allah. Oh, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça a une faiblesse de sa Ummat là aujourd'hui. Nous pouvons vivre dans l'époque de confinement. Ou finirait quelque chose peut-être. Là, dans sa période de confinement, là, il y a une fitna qui trappe nous, qui fitna. Il suffit qui, au fin gaïban, qui fin pousser comme un champion. Il suffit que tu aies un internet, tu aies un portable, tu le finis avec un alim. Tu aies un internet, tu aies un portable, tu aies une page sur Facebook, tu le finis avec un alim. Tu commences à causer, tu commences à expliquer, tu commences à donner fatwa. Chers frères et chers sœurs, faire attention. Quand il y a l'émergence de sa bonne qualité, Dimon, qui est dépourvu de la compréhension de Din, alors ce n'est pas les sourds embêtés, émerveillés par une jolie parole, n'a pas les sourds embêtés par l'émotion, plutôt, c'est raisonner au lieu qu'il est émotionné. Raisonner lorsque vous prétendez, au lieu qu'il ou réagir par l'émotion. Chers frères et chers sœurs, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est comme ça même l'exemple de celui qui fait étudier din Allah. Et ce qui Allah fait envoyer moi avec ça. Ça fait une profite-lui. Ça fait une profite-lui. Les finis la connaissance et les finis enseignent les autres. Et l'exemple de celui qui n'a pas fait une lève sur la tête à ça. Les pas fin gagne ça la peine pour les lèvres sur la tête. À ça, c'est-à-dire à la vérité qui vient depuis Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas fini d'accepter la guidance d'Allah qui m'a fini d'être envoyé avec ça. Hadith dans Sahih Bukhari, chers frères et chers sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire Nabdar Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidaha wa ballagaha. Qui Allah met beauté et gaieté. Le visage d'une personne qui écoute vos paroles, li comprend li, ô Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Li pas une question, nek feuilleter livre, ou bien nek recevoir un message de le portable, le réseau sociaux, ou fil recevoir un poster, ou fil recevoir une jolie vidéo, qui émotionne et qui, ou n'a pas fait le même servi au raisonnement, ou n'a pas fait le même servi à l'intelligence. Alors, l'émotion finit envahir où? Ou finit laisse l'émotion influence où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire qui Allah met beauté et gaieté le visage d'une personne qui écoute mes paroles, lui comprend, lui mémorise, lui et lui transmet lui à les autres. Alors, rassure-nous qui nous finit comprendre la parole d'Allah. Rassure-nous qui nous finit comprendre hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Avant qu'il nous vienne faire une interprétation, ou bien avant qu'il nous vienne transmettre à l'Umma la compréhension, chers frères et chers sœurs, comment nous le faisons dire où? C'est un cadeau depuis Allah. Suppliez Allah. Si vous avez l'intention de faire bon travail, il n'y a aucun doute. Nous, pense bon à nos bons frères et nos bonnes sœurs. Ou bien envie, profite l'Umma. Ou bien envie, profite aux bons frères. Ou bien envie, portez une petite chose, une connaissance avec aux bons frères. Mais seulement, connecte. Rassurez-vous qu'on comprend les comment bizin. Rassurez-vous qu'on comprend les comment bizin. Et qui, quand on peut transmettre les, on n'a pas pu faire, on n'a pas pu induire, dis-moi en erreur. Parce que c'est une question de dîme, chers frères et chers sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fid din. Celui, pour celui qui Allah voulait du bien. Pour celui qui Allah voulait du bien. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rempli son existence avec ibadat.
parce qu'il y a un grand sens qu'il y a du monde peut faire ton ibadat mais dépourvu de la compréhension une quantité parmi sa man ibadat là peut être rejetée. Une quantité parmi sa man ibadat là le jour du qiyama peut être réduit en la poussière. Lipougain la surprise qui quand il fait présente que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas pour trouver le fruit de sa bonne action, de sa bonne ibadat, parce qu'il est dépourvu de la compréhension. Alors, chers frères et chers sœurs, la compréhension, et c'est une petite chose très importante, la compréhension, dites comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait dua pour le sahabi Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit Allahumma faqqihu fid din, wa allimhu ta'wil, ou Allah donne la compréhension dans le din, ou Allah. Enseigne-lui le ta'wil, chers frères et chers sœurs. Alors, la compréhension, connais qui? Il est important, nous comprenons ça. La compréhension, Allah subhanahu wa ta'ala, il prive deux catégories du monde de la compréhension. C'est signe de deux parmi les mauvaises qualités. Une qualité de ban munafiq, deuxième qualité d'un égaré, un dalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith d'un Tirmidhi, khaslatan la tajtami'an, il y a des qualités qui n'a pas joint ensemble dans un munafiq. Des qualités n'a pas joint ensemble dans un munafiq. Husnu samtin wa la fiqhun fi ddin, bon l'apparence et compréhension de din. Allah fait prier ban munafiq depuis compréhension de din. Alors plairez avec Allah, qu'Allah accorde-nous la compréhension, parce qu'il c'est signe de la sincérité dans le din. Allah, subhanahu wa ta'ala, la compréhension, rapportée par Ibn Umar, radiyallahu anhu, les dire, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, une génération pour venir, je peux lire le Coran, sans qu'il ça dépasse je clavicule, veut dire les os, hein, veut dire les os les os longs, veut dire de nos épaules qui joignent le sternum de nous, hein, veut dire à l'omoplate, c'est-à-dire ça les os par derrière dans nous les deux là. À chaque fois qu'il y a un groupe pour sortir, ban musulman pour finir ban là, Mofintan le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, à chaque fois qu'il y a un groupe pour sortir, ban musulman pour finir ban là, plus qu'il 20 fois, jusqu'à qu'il Dajjal pour sortir parmi ce troupe, c'est-à-dire un groupe du monde. Qui, je peux connaître le Coran, je peux en avoir beaucoup de connaissances, je peux en avoir l'éloquence, mais je peux manquer la compréhension de din, chers frères et chers sœurs. Alors, agir plus avec raisonnement qu'avec l'émotion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant ban khawarij de sa ummat là, un groupe pour sortir dans la dernière époque, je te l'aidant pour récent, mais dire je te pointe ban jeune, je te pointe ban jeune, je te pour faire où émerveiller. Je peux faire émerveillé, mais je raisonnement pour faible. Cheikh Othaymin, rahimahullah, lui dire, une personne lui désigne comme arbitre, sur l'intelligence et non plus ce sentiment ou bien sur l'émotion. Ça, c'est un problème avec beaucoup de monde aujourd'hui. Je te laisse l'émotion gagner le dessus aux autres. Chers frères et chers sœurs, alors nous demandons avec Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui faire de sa bonne rappel et sa bonne connaissance là, bonne rappel et bonne connaissance profitable, qui amène la compréhension. Nous demandons à Allah, qui Allah déverse la compréhension dans le cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous vers le chemin droit. Qu'Allah protège-nous contre l'égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège-nous contre errer dans le din. Qu'il les protège-nous contre shirk. Qu'il les protège-nous contre bid'a. Qu'il les protège-nous contre et tout bala, tout calamité, tout forme obstacle dans nos din et dans nos dunya. كالله سبحانه وتعالى قادم نقول بان إغير وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا.